Des adolescents sauvent des koalas des feux de brousse en Australie en les mettant dans une voiture. Les feux de brousse peuvent être très dangereux et même mortels. En 2019 et 2020, l'Australie a connu parmi les pires feux de brousse de son histoire. Cette période a été nommée l'été noir. En été, les feux de brousse sont plus fréquents. Cependant, les feux de brousse de cet été-là étaient encore pires que ceux des années précédentes. Normalement, les feux de brousse en Australie commencent vers le mois de novembre, lorsque l'été commence. Mais cette année-là, ils ont commencé au mois de juin, bien plus tôt. Avec le changement climatique, la situation ne s'est pas améliorée au fil des années, et d'autres parties du monde expérimentent aussi des feux de brousse. Ils peuvent détruire de nombreuses choses en très peu de temps. Les maisons sont complètement brûlées, les animaux meurent, les forêts disparaissent et les gens peuvent également mourir s'ils ne s'enfuient pas assez vite. Et ça a été le cas en Australie où plus de 186 000 km² ont été ravagés, ce qui est à peu près la superficie de toute la Syrie. Comment une chose aussi horrible a-t-elle pu se produire? Et quelles en sont les causes? Le changement climatique est l'une des principales causes de cette tragédie. On peut également le constater dans d'autres parties du monde, et de plus en plus d'événements montrent que la Terre se réchauffe. Le gouvernement australien en est également une des causes, selon certaines personnes. Le Premier ministre d'Australie, Scott Morrison, n'a pas pris tout cela très au sérieux, et d'après lui, le changement climatique n'est pas si grave que ça. De nombreuses personnes ont critiqué ses positions. Il y a même des gens qui allument délibérément le feu. 24 Australiens ont été arrêtés parce qu'ils étaient soupçonnés d'avoir délibérément allumé des feux pendant cette saison-là. Les feux de brousse sont donc aggravés et une grande partie de l'Australie a été dévastée. L'état de Nouvelle-Galles du Sud a été le plus touché. Ensuite vient l'état de Victoria. Au total, 34 personnes sont mortes. Des milliers d'immeubles et de maisons ont été complètement détruits. Des entreprises ont fait faillite et les dégâts se sont élevés à plus d'un milliard d'euros. L'une des personnes qui n'a pas survécu est Dave Harrison, 47 ans. Il essayait de sauver son ami pendant les feux de brousse, lorsqu'il a soudainement eu une crise cardiaque. Il était connu comme une personne qui était toujours prête à aider les autres, et il est mort en essayant d'aider un de ses congénères. Les animaux ont probablement été les pires victimes de ces feux de brousse. On estime que plus d'un milliard d'animaux sont morts, dont de nombreux animaux en voie de disparition. La vidéo d'aujourd'hui montre ce qui s'est passé pendant cette saison-là. Il s'agit d'adolescents qui ont sauvé des koalas des feux de brousse en Australie. Sur la plateforme Reddit, une vidéo montre deux adolescents au milieu des feux de brousse, et elle a été publiée par le cousin de ces garçons. La scène s'est déroulée sur l'île Kangourou, la troisième plus grande île d'Australie. Il y a beaucoup de kangourous sur cette île, comme son nom l'indique d'ailleurs. Il y a aussi de nombreux autres animaux. Le pays compte relativement peu d'habitants, beaucoup de terres et de nombreuses espèces animales. Les deux adolescents, Mika, 19 ans, et Caleb, 18 ans, savaient très bien à quel point les feux de brousse étaient dangereux, puisqu'ils en avaient fait l'expérience eux-mêmes. Ils étaient eux-mêmes hors de danger, mais ils ont réalisé qu'il y avait beaucoup trop d'animaux qui n'avaient probablement aucune issue, et ils ont eu pitié d'eux. Ils ont vu tous ces animaux piégés dans les forêts qui s'enflammaient de plus en plus. Pour eux, c'était terrible, et ils voulaient aider les animaux. Même s'il ne s'agissait que d'un seul animal, chaque vie avait beaucoup de valeur. C'était risqué, mais ils se sont sentis obligés de le faire. Les adolescents ont décidé de partir en voiture à la recherche d'animaux ayant besoin d'aide. Au bout d'un moment, ils sont arrivés dans une forêt qui était en flammes, et ils y ont découvert beaucoup de koalas. Mika et Caleb ont eu pitié de ces animaux et ils ont voulu en sauver le plus possible. Presque tout autour des koalas avait été détruit. Les maisons avaient complètement brûlé et il ne restait que de petits morceaux sur le sol. Là où il y avait eu autrefois une maison, il n'y avait plus que quelques pierres et quelques arbres. Mika et Caleb ont continué à chercher les koalas et ils en ont trouvé beaucoup. Plus tard, ils ont dit qu'environ 60% de tous les koalas qu'ils avaient vus étaient déjà blessés ou morts. C'était choquant. Même s'ils se sentaient très tristes, ils ont continué leur mission. Tant de vies avaient déjà été enlevées, et ils ne voulaient pas que ce nombre augmente. Ils ont trouvé des koalas accrochés aux troncs d'arbres, à moitié détruits. Presque tous les koalas étaient blessés. Ceux qui étaient encore vivants avaient des brûlures
et avaient peur de Mika et de Caleb. Ces derniers ont essayé de tenir les koalas avec précaution et de les mettre en sûreté. Certains koalas étaient trop effrayés et continuaient de s'agripper au tronc d'arbre. Toutefois, Mika et Caleb ont réussi à en sauver certains. Après avoir sauvé ces koalas, Mika et Caleb les ont soigneusement mis dans leur voiture. La plupart de ces animaux étaient traumatisés. Certains regardaient droit devant eux, probablement encore sous le choc de ce qu'ils avaient subi. Peut-être avaient-ils aussi perdu des membres de leur famille. Un par un, ils ont été mis dans la voiture. Ils avaient très peur au début, mais ils sont restés tranquillement assis. Parmi eux, il y avait deux mamans koalas, chacune avec un bébé. Une mère s'est assise à l'arrière de la voiture avec le bébé qu'elle tenait fermement et qu'elle essayait de protéger. Heureusement, les koalas étaient maintenant en sécurité, mais ils ne le réalisaient pas encore. Les adolescents ont tenté de les rassurer et les animaux ont commencé à se calmer un peu. Un des koalas était assis sur le siège arrière, un autre était sur le siège passager à l'avant, un autre encore était suspendu sur un siège. Ils étaient en fait partout. La voiture était pleine d'animaux. Avec cette voiture pleine de koalas, Mika et Caleb ont quitté la forêt. C'était vraiment triste de voir tout ça. Ils avaient vu de nombreux koalas qui avaient été brûlés et n'avaient pas survécu. Ils ont également vu des koalas qui étaient en bonne santé. Ces derniers avaient l'air d'être en bonne santé et en sécurité, alors les adolescents ont décidé de les laisser. Ils ont choisi de d'abord sauver ceux qui étaient dans un état critique. Néanmoins, ils étaient heureux d'avoir pu sauver ces koalas. Au moins, ces animaux étaient désormais en sécurité. Au final, Mika et Caleb ont réussi à sauver 20 koalas. C'est vraiment un acte héroïque. Heureusement, les garçons eux-mêmes n'ont pas été physiquement blessés et ils devaient maintenant trouver quoi faire avec tous ces animaux. Tout d'abord, ils les ont emmenés chez le vétérinaire. Malheureusement, certains sont morts le jour même, car ils étaient trop blessés, mais la plupart d'entre eux ont pu être sauvés. Ils ont été soignés et ont pu survivre. 6 de ces koalas ont finalement été adoptés. Les adolescents ont ensuite décidé de s'occuper eux-mêmes des koalas restants, jusqu'à ce qu'ils aient complètement retrouvé la santé et qu'ils soient assez forts. Lorsque Mika et Caleb ont constaté que les koalas étaient en parfaite santé, ils les ont renvoyés dans la nature. La vidéo a été visionnée plus d'1 million de fois et a été partagée massivement. De nombreux articles ont également parlé de ces deux adolescents héroïques. Les gens ont aussi beaucoup liké et commenté la publication originale sur Reddit. Tout le monde a semblé apprécier ce que les deux garçons ont fait. Quelqu'un a même dit qu'il devrait y avoir plus de personnes comme eux dans le monde. Une autre personne a été surprise de voir qu'on pouvait simplement ramasser des koalas. Il ne pensait pas que c'était possible. Tout le monde a été horrifié de voir à quel point les feux de brousse étaient dangereux et combien de victimes il y avait eu à cause de ça. Ça ressemblait vraiment à un cauchemar, à un film d'horreur. De nombreuses personnes sont non seulement touchées par cette histoire, mais aussi par la situation dans son ensemble. Grâce à des vidéos comme celle-ci, beaucoup ont commencé à faire des dons. Le gouvernement australien a également travaillé d'arrache-pied pour sauver le pays. Il a ainsi débloqué plus de 10 millions d'euros pour les sapeurs-pompiers, pour leur permettre de facilement accomplir leur mission de sauvetage. De nombreuses personnes se sont portées volontaires pour aider et ont essayé de le faire de différentes manières. La police et l'armée ont également participé à l'extinction des feux et aux évacuations. De nombreuses célébrités ont aussi donné des millions d'euros. Elles ont publié des vidéos sur les réseaux sociaux pour informer d'autres personnes de la gravité de la situation et pour leur demander de l'aide. En plus de ces adolescents, d'autres personnes ont également sauvé et aidé des animaux. C'est le cas par exemple de la famille Irvin, parents du célèbre expert de la faune, Steve Irvin. Vous vous demandez peut-être ce que vous pouvez faire vous-même. Il y a tellement de choses à faire. Vous pouvez faire des dons aux diverses organisations qui se battent contre ce phénomène. Il est également important de lutter contre le réchauffement climatique et d'éduquer les gens à ce sujet. Que feriez-vous si vous étiez à proximité d'un feu de brousse? Comment pensez-vous qu'on peut gérer la situation? Pensez-vous que vous seriez aussi courageux que ces adolescents? Dites-le nous dans les commentaires. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de cette vidéo et que vous l'avez trouvée intéressante. Si c'est le cas, likez-la et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt.